D'accord, le dragon original était parfait. Ok, tu peux fermer ta gueule et arrêter de m'expliquer, je veux des combats. Oh là là, Fildrong, il est trop jardinier, il a trop un beau potager, mais je suis trop triste Pokémon, insurgence, c'est fini l'olem des RPTDR. Yo les trashers, on se retrouve aujourd'hui pour, le nouvel épisode de Pokémon Insurgence. La semaine dernière, vous avez voté pour un défi qui est simple pour moi, étant donné qu'il faut que je vous montre mon potager. Alors voilà mon potager. Nous avons ici un oignon vert qui pousse. Ici nous avons des acapucines qui n'ont pas encore fleuri. Et ici nous avons des plantes aussi. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'était déjà là et ça pousse tout seul. Et puis alors l'oignon, il s'appelle Bobo. C'est Bobo l'oignon, voilà. La capucine là, elle s'appelle Bibi, elle s'appelle Bubu, lui s'appelle Bébé, lui s'appelle BYBY, lui s'appelle Bye Bye, et lui il a pas de nom parce que je l'aime pas. La plante sauvage, elle s'appelle Capucine. Voilà, c'était mon potager. Donc j'espère que vous êtes très heureux de ce potager. Du coup, on va continuer le jeu et il me semble que nous approchons de la fin du jeu. En tout cas, en l'état actuel des choses, donc on va voir. C'est parti. Ouais. C'est parce qu'il y a la ruine. On va aller à la ruine. Salut. D'accord, il n'y a pas de dresseur ici. Salut. Il n'y a toujours rien. Oh, un max repel, ok. Ouais. Ici, il n'y a rien à part un tentacle cruel. Pas besoin d'anus. Allez, c'est parti. Les ruines dragons. Mais que va-t-il se passer? Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des... Je suis sûr, il y a plein de dragons. Wouah! C'est... Ah. Si tu considères qu'un crocodile, c'est une sorte de dragon, tu peux considérer que Alligator est un dragon. Oui. Alors, c'est un peu labyrinthique là. Dracojet, qu'est-ce que c'est que Dracojet? C'est une nouvelle attaque que je ne connais pas. Ou alors ça existe, mais j'ai jamais utilisé cette attaque de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Dracojet. C'est une priorité de type dragon. Et Anus peut la prendre. Ça a combien de puissance? Ah, mais c'est genre une... Oh, une priorité de type dragon, c'est marrant. Yes. Oui, on... C'est pas très intéressant, du coup. Hein. Si j'avais un Pokémon de type dragon, je dis pas, mais j'en ai pas. Wow, ok, d'accord. C'est que des Pokémon genre... un peu dragon, tu sais. Quand Anus évolue, il est tellement gros qu'on voit pas le... On voit pas le reste. Enfin, on voit à peine Nidoking. Bon, alors, toute notre équipe est niveau 68. Ça devrait être pas mal, là, pour finir le jeu. Les labyrinthes, c'est de la merde. Les labyrinthes, c'est de la bouse. Vraiment, j'en ai marre des labyrinthes dans Pokémon Insurgent. Je comprends même pas l'intérêt de te faire te perdre comme un bête. Vraiment, les labyrinthes, c'est net. J'en ai marre des labyrinthes, vraiment. Qui a créé ça, vraiment? Qui a fait ça, pourquoi? Il a dit ça dans Pokémon Insurgence, faire des labyrinthes dans tous les sens. Ok. Je crois qu'on arrive. Je vais me mettre une petite... J'ai pas une super potion à la con ou une baie qui me soigne. Non, bon d'accord, tant pis. Ok. On va le faire sérieusement, on va donner des super items de la mort. Voilà, à la place du Lucky Egg, on va lui mettre un Life Orb. Je regarde si je peux pas leur faire tenir des trucs intéressants. Voilà, un Black Sludge pour régénérer. Anus, voilà, ça fera comme les restes.
Focusage, bon, on verra. Ok. Vous êtes prêts, les mecs? Il me semble que c'est le dernier combat du jeu. Oh. Fifou, je suis tellement fier que tu aies décidé de te montrer. C'est le moment de mon triomphe. À chaque fois que j'ai échoué, tu étais là pour le voir. Après que j'ai essayé de créer le Pokémon Delta parfait, on notera que son QRM a une aide plus courte que l'autre. Oui, après que nous avons expérimenté la méga évolution et l'incident avec le Poké russe et le père de la meuf qui s'est transformé en Deoxys. Et maintenant, notre expérience avec l'armure, c'était toi ? Fifou, Nora, est-ce que tu connais le mythe du dragon de l'Unova ? Oh, la légende parle d'un dragon gigantesque qui a régné sur Unova. Son pouvoir était supervisé par deux frères, les princes de la région. Mais ces frères se battaient constamment. L'un cherchait la vérité, l'autre cherchait l'idéal. Et ils ne trouvaient pas de terrain d'entente. Ils ont séparé le grand dragon en trois. Reshiram, la vérité, Zekrom, les idéaux, et Kurem était le reste. La ruine est très très vieille. Oh. Pendant que les dragons ont régné en Unova, la guerre entre les frères était en taurène. En fait, la grande séparation, c'était ici. C'est pour ça qu'un temple a été construit dans l'espoir que un jour le dragon puisse être reformé à nouveau et amener la paix. C'est ce jour aujourd'hui. Bah c'est bien, non? Amener la paix. Pendant que Rekra a été occupé à faire des expériences. Le job le plus important dans le culte de la perfection, c'était moi qui le faisais. Je devais ramener le dragon. C'était difficile. J'avais besoin des trois dragons, mais j'ai réussi. Et maintenant... Oh mon dieu. Le dragon original était un signe de leadership, oui c'est un mot français, de totalité. Ça représente les croyances opposées. Oh, et travailler ensemble pour arriver à un équilibre, l'idée d'harmonie et de perfection. Une fois que nous aurons invoqué cette créature, nous serons instoppables. Oh mon dieu, ah bah d'accord. Attention, attention, Ignis et Fulgura, Affiunt Unum. Non, non. Wow, Emerge. Oh mon dieu. Trois petits points. What did you say? Peut-être que tu ne m'as pas entendu, dragon. J'ai dit Emerge. Le grand name here. The great name here. Ah, ça doit être une erreur de codage, ça. Name here. Ça veut dire nom ici. Est-ce que tu lis ça d'un scroll? D'un... Je suis sûr que tu le lis... Tu le lis pas bien. Ah oui, d'accord, parce qu'il lit un parchemin. Ah. Tu es supposé de dire le nom du dragon et pas nom ici. C'est a placeholder. C'est pour ça qu'il y a des parenthèses. Ah bah bravo, hein. Personne ne connaît le nom du dragon originel. Ah non. Les seuls noms qui sont restés, c'est Reshiram, Zekrom et Kurem. Et c'est Reshikromrem. Comment on est supposé le ramener? Trois petits points, trois petits points. Ok, donc je ne pourrai pas ressusciter le dragon aujourd'hui. Je trouverai ce nom, je le chercherai. Ah, mais pas maintenant. Ok, je te split en Kurem White et Zekrom. D'accord. D'accord, donc il a fait un middle ground. Mais pourquoi tu veux... Mais non, mais attends, mais je suis pas méchant. Mais moi, j'aime bien ton idée de la perfection. T'as vraiment un look de merde. Ah, il a des favoris. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Doublade et Anus. Est-ce que je peux compter sur toi? Non, j'ai trop peur.
On va y aller directement avec Moonblast. Sinon, les gens, ils vont faire... Non, mais que... Fildrook, c'est le dernier combat. Et puis, t'es vraiment une merde parce que tu utilises Plénitude. Arrêtez avec Bullet Punch, s'il vous plaît, par contre. Ah, voilà. Il a fait colère sur un Pokémon de type fée. Critical Hit. Ok. Bon. Ça a l'air facile. Iron Tail, ça rate. Voilà. 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 Easy. Easy. Voilà, je gagne. Météor Mage, je tiens. Ouf. Pourquoi tu fais tête de fer sur un Pokémon de type acier? S'il te plaît. Ouh, Toxic Orb. Allez, on se soigne. Ça, vous allez pas me dire que j'ai pas le droit de me soigner quand même. Sinon, je vais commencer à m'énerver. Potion. Quelle musique? Ah, la musique est pas si épique que ça, je trouve. Sinon, vous pouvez attaquer quelqu'un d'autre que ma gueule. Genre... Putain, Nora, t'es vraiment une sous-merde. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser... Pourquoi ils sont sur... Bon, vous êtes casse-couilles, là. Voilà, reflet. Ah, c'est bien. Allez, voilà, tu sers enfin à quelque chose. À la place de faire des têtes de fer de merde, là. Voilà. Allez, pisto point sur le mauvais Pokémon. Allez, c'est bon, maintenant. C'est bon. Ok. Oh, toi, t'es mort. Oh, toi, t'es tellement mort. Psycho plus 1. Ah non. Ok, je tiens. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé de cible. Pourquoi ça a bugué? Oh, Mégatiflosion. Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh. Oh. Je suis vivant. Je suis vivant par un point de vie. Et je me suis trompé de cible, donc c'est un peu la honte. Allez. Éruption avec un point de vie, c'était super intelligent. Ok, Typhlosion est presque mort. Ok. Éruption, ça fait zéro dégâts. C'est super intelligent de faire éruption avec un point de vie. Vous allez pas me dire que c'est moi. Il y en a un qui joue mal. Hop. Non, mais Tormash, je suis vivant. Je suis tellement fort. Ok, il va faire piste au point. On va à nouveau. Oh putain, on est bien là. Non, il fait poursuite. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec, sérieusement. J'ai pas une attaque qui touche tout le monde, hein. Non, j'ai rien. Bon, Métallos me fait chier, donc on va le tuer. Allez, je suis plus... Ah, plus 3 en attaque spéciale. Anus au niveau 69. Ouais, j'attends ça depuis tellement longtemps. Oh, merde. Ok, bon alors, Non, allez. On va tenter le Moonblast sur, Ok, il... Ok. Bon, c'est pas grave. Ok, vous êtes prêts? Peaver, let's go. Ok, alors vous êtes fucking type, on est d'accord, hein, type glace, ok, c'est fini. Wouah, Méga Flygon. Wouah, il est trop beau, je veux le même dans le jeu. Gros con, espèce de con. Draco Météor, je le tiens, easy, voilà. Non, il a tenu. Il a tenu. Allez, c'est les billes. J'ai pas une attaque de priorité. Non, j'ai pas d'attaque de priorité. Attends, ils vont peut-être focus... Voilà, ils vont peut-être focus Celebi. Focus Celebi. Oui, ils ont focus Celebi. Close combat. C'est un Pokémon, c'est pas un Pokémon. J'ai merdé. Ah, bah oui, il l'a tué. Ah bah oui, je suis con, pourquoi j'ai pas fait assez crash? C'est bon, il va... C'est bon, il tape sur Celebi, attention. Wouah, il s'école crash. Voilà, chute de glace. Alors, voilà, je peux gagner des matchs. Niveau 69, Cleaver. Allez, voilà. Non, impossible. Tu veux savoir ce qui est possible? C'est que je t'ai refait les fesses avec mon 69 anus. Tu sais pas qui je suis? Oh mon dieu, ça tremble. Kurem, Reshiram, Zekram, qu'est-ce qui se passe? Le rituel n'était pas fini. Non, il se casse. Fuck it, I'm done.
Ok, je suis tellement content que tu sois ok. Oh oui, mon ami. Vous êtes tous des fous. Ce n'est pas la fin. Je vais patienter. Et un jour, je vais vous retrouver. Oh, trois petits points. Ça faisait peur. Je suis content que personne ne soit au courant. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander quel était le nom de ce dragon. J'ai une théorie, mais c'est peut-être faux. Kurem, c'est la coque vide du premier dragon. Ouais, c'était ce qui restait après la mort, enfin après que Reshiram et Zekram soient partis. Ok. Et le fait que les fusions sont appelées Kurem blanc et Kurem noir. Ok. À la librairie du tirage, je cherchais un livre sur les structures des mots unovins. Il y avait une page qui parlait du trio légendaire Reshi was... d'accord. Alors Reshi ça veut dire vérité, Zek ça veut dire idéo. Ok, d'accord. Q, Hall, ok, ensemble, d'accord. Je ne me suis pas... Kurem et l'opposé de complet. D'accord. Le dragon original était parfait. Ok, tu peux fermer ta gueule et arrêter de m'expliquer, je veux des combats. Peut-être Q, ça veut dire perfect. Waouh, t'as raison. Waouh, c'est juste une théorie. Waouh, le culte infernal a dit qu'ils étaient dans les montagnes. Il faut qu'on y aille. Ok, il faut qu'on y aille, let's go. J'ai presque oublié. Ton Mew peut se transformer en n'importe quoi qu'il ait le DNA. D'accord. Oui. Ok, un truc de Celebi. Je peux utiliser Tesseract. Voilà. D'accord. Ok. Je peux voyager dans le temps. Parfait. D'accord. A plus. Hey, Fifou. Écoute, je t'en dois une. Pour m'aider, Reshiram. Si tu as besoin de quelque chose. Ok. D'accord. Dis-le-moi. Je te donnerai. Non! Non! Pokémon Insurgence! Non! Bravo! Bravo! C'était... Écoutez, j'ai fait pas mal de hype game et je dois avouer que c'était l'un des meilleurs. Donc je ne sais pas quand on reprendra ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce let's play du début jusqu'à la fin. J'étais super content d'être le premier à faire ça sur Pokémon Trash. Un vrai long let's play sur Pokémon Trash. C'était vraiment cool. Je sais pas s'il y en aura d'autres qui feront. Moi, c'est sûr que j'en referai. Vous inquiétez pas. Je reviendrai très bientôt. Je pense vers le mois de septembre pour faire quelque chose. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi ça. Merci beaucoup. Et puis évidemment, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à Pokémon Trash. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous encourage tous ceux qui voient ce let's play, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que maintenant c'est bon là, ça fait 18 épisodes, vous avez vu que c'était cool. Donc vous pouvez bien aller taper un clic sur le red button comme on dit. Et moi évidemment, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.